Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, on va reprendre là où nous en étions dans le précédent épisode. C'est-à-dire qu'on va aller directement vers les différents snipers et... Et les différents totems de la région. Donc épouvantail. Donc les 4 ou 5 là. 4 principalement, le 5ème on le verra une autre fois je pense. Et on se dirigera ensuite vers cet endroit là pour pouvoir choper les fameux éclaireurs. J'imagine peuvent être pratiques. C'est parti. J'imagine que ça me permet de voir en fait les différents. J'ai une petite idée sur ce que ça peut faire. Soit ça me montre tout ce qu'il y a à voir sur la carte. Soit ça me permet de voir les différents véhicules qu'il y a actuellement sur la map en fait, les différents ennemis. Itinéraire de convoi, cool. Moi qui le voulais. Tel aventurier solitaire. Bob Dylan, le roi de la terre. Boum. Il y a un sniper dans le coin. Ah bah je vais péter la roue. Oui, il y a bien un sniper dans le coin. Et je l'ai vu. Hop. T'es bien avec moi. Hop là. Peux-tu réparer la voiture s'il te plaît? Alors nous ensuite on va là. On va pas s'arrêter là. Oh quoi que si. C'est pas grave, quitte à ce qu'on fasse la grosse truc dans le prochain épisode. En soi, c'est pas extrêmement grave. Alors, répare. Peut-être, mais il faut encore tomber dessus, quoi. Hop. T'inquiète pas, ça je m'en occupe. C'est mon boulot. Décor basse. Hop là. Ici tu m'as dit. Hop. Tel aventurier solitaire. Bob Dylan est le roi de la terre. Ah, cendre et débris. Encore un défi, c'est cool. Saint malgré lui, niveau 4. Cool. Il va péter cet endroit. Il va sûrement y avoir des gens dedans. Ah, des gens. Bouffe mon surin. Bah alors. Dommage, j'aurais bien voulu en planter un sur un pic là. Quelque chose à trouver là-dedans? Non. La bombe. Un convoi, ils sont nombreux. Ah, un convoi. Merde, c'est par où la sortie? Vite. Oui, je sais. What? Il a essayé de me rouler dessus. C'était limite épique. Bon, allons-y. De toute façon, avec un harpon niveau 5, ça devrait être cool. Dommage que la portée soit pas plus augmentée que ça. Ah si, toi tu viens par là. Raté. Par contre, tu sais quoi? Ah non, dommage.
Ah, niveau vitesse de pointe, il est meilleur que moi. Par contre, je vais faire en sorte qu'il s'arrête là. Ah non, toujours pas. Hop. Attends, d'abord on pète la gueule des autres. Aïe. Raté. Oh non. Je vais t'avoir en mode classique. Voilà. Je peux pas t'avoir, toi. Alors. Tout le monde s'est arrêté. Hop. Boum. Toi non plus, tu n'iras pas bien loin. Hop. Tiens. Tiens. Boum. Voilà, problème résolu, chers amis. Peux-tu réparer la voiture, s'il te plaît? Oh, ça c'est moche. Je vais l'installer à l'arrière. Oh, j'ai les yeux défoncés, chers amis. Entre le rhume et le reste, blah, c'est violent. C'est bon? Considérer que c'est bon, je te laisserai finir ça là-bas. What? J'ai eu le temps de faire un tour. Oh la gueule. C'était à gauche. Oh, j'ai les yeux qui piquent, si vous saviez. Hop. C'est joli par là, dis donc. Ce soirée, c'est marrant. Si je savais pas, enfin, normalement, techniquement, dans Mad Max, on est en Australie. Donc je pourrais pas dire où est-ce que c'est, mais moi je dirais dans ma connerie, je dirais que c'est le pont de San Francisco, mais non. Oh putain. Oh mais alors toi mon pote. Je t'emmène avec moi, je suis désolé. Hop. Oh. Oh mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela? Serait-ce donc de l'asphalte? De la vraie? Alors écoutez, on peut aller se le faire. Je vois déjà le trajet que je vais faire en fait. Ah, on m'a parlé, je crois, mais j'ai pas compris le dialecte une fois de plus. Ah, il y a la nitro que je pourrais peut-être augmenter aussi. Vas-y, répare la voiture. Donc là, il y a le sniper, il y a l'ornement. Mais la nitro. C'est quoi ça? Ouais d'accord, je l'ai pas ça. La nitro, c'était où? Nitro. Ah ah. Ah non, je peux pas. Dommage. Dommage, dommage. Le sniper, par contre, je peux, mais je crois que ça doit coûter hyper cher.
Et de toute façon, vu le peu de munitions que j'ai... Non, bah tant pis, t'as pas le temps. T'as pas le temps, l'ami, t'as pas le temps. Hop, allez, viens. Eh, il a pas osé venir. T'as pas de couilles. Ils ont pas osé venir. On va aller les chercher alors. Ça ne vous dérange pas, chers amis. On va essayer de faire un créneau pour faire un demi-tour. Apparemment, ils en chient. Oh. Je suis persuadé. C'est un champ de mine. Voilà. Champ de mine. J'ai découvert. Alors, il faudrait expliquer comment j'ai pu perdre autant de points de vie sur un caillou. Oh mon dieu, j'ai les yeux qui piquent! Wouhou! Et un de plus! Hop, plus que celui-là. Hop. Oula, une petite baisse de framerate. Imagine dû à une sauvegarde quelconque ou un truc du genre. Ah non, grosse baisse. Oh, dis donc. Bah alors, jeu, qu'est-ce qui t'arrive? La luminosité a changé, en fait, je crois que le... Oulala là là. Ouais, la luminosité a changé et le jeu l'aime pas. Ah mais pas du tout hein. Bam, corps à corps. Bon. Ou alors je fais ma pute et dans le prochain épisode on fait ce truc là plus les deux. Plus les deux champs de mine. Ah, ça pourrait être drôle. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. On va se déplacer rapidement ici quand même. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le partager, vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueurs de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Enfin, attendez, il dure combien de temps l'épisode? 15 minutes? Ah, oh, ça fait pas beaucoup. Grâce, ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Bon bah tant pis, j'ai fait tout ce que je voulais faire et si je me lance dans un autre truc, ça va être trop long. Désolé les amis. Bon. Je pense que vous a plu. Je vais faire un peu plus long la prochaine fois, tant pis. Allez, à plus les gens.